C'est parti, mesdames, messieurs! Malgré le temps qui est incertain, notre record est battu et on est à près de 800 coureurs inscrits et surtout à l'arrivée. Voilà. Donc nous sommes très contents de cette performance. C'était vraiment sympa parce que deux boucles de 2,5 km, on n'a pas le temps de trop tourner. On voit tout le parc, on voit dans tous les recoins du parc, donc on ne passe pas sur le même passage. Et le point positif, c'est la météo qui, à 17h, nous a offert un soleil. Au début, je pense qu'on était un groupe de 5-6, mais on se voyait pas trop parce que on était au milieu de tous les coureurs du 5 km. Et puis après, je pense qu'au bout de 2 km, on était deux. Et puis dans un virage, j'ai rattaqué un petit peu plus fort pour accélérer. Et là, j'ai pris 10 mètres, 20 mètres, et puis après, le creux s'est fait. C'est quand même agréable parce que c'est pas souvent qu'on a des spectateurs tout le long d'un parcours. Nous sommes sur le 10e anniversaire de ce marathon. Ce marathon qui pour la première fois est un marathon national. Et en même temps, donc, une barre importante a été franchie, puisque nous avons franchi ce matin donc, la barre des 1000 inscrits. Et ce qui était une belle performance, et il y a longtemps que nous attendions ça. Ils seront accompagnés par les semi-marathoniens, dont ça sera la deuxième édition, et cette fois-ci elle est labellisée FFA. Et alors là aussi c'est une très grosse surprise, parce que nous avons franchi la barre des 1500, on approche les 1600, et ce n'est pas fini. Donc très 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 bel nombre d'inscriptions, et aussi de très belles performances annoncées. Je pense que les records sur le marathon seront peut-être sûrement accrochés, mais celui du semi-marathon sera sûrement pulvérisé.